Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je suis sur ETS 2. Voilà, la FFA va revenir petit à petit sur différents jeux. On va revenir un peu aux sources du début de la FFA, hein. Donc il y aura de la pêche, du ETS, du farming bien sûr, du Spin Tier, du The Hunter et bien d'autres jeux que nous allons essayer de vous proposer afin de diversifier un peu tout ça. Et aujourd'hui, voilà, j'ai donc créé une nouvelle entreprise sur ETS 2, donc sur le Truxbook, tout simplement. Comment ceci fonctionne, si vous voulez nous rejoindre dans cette entreprise de la FFA sur Euro Truck Simulator. Donc, tout simplement, il faut aller hop là sur ce site ici. Donc, je le mettrai en description hein, sous la vidéo. Donc, Truxbooks. .eu. Donc tout simplement vous allez arriver sur cette page, il faudra vous enregistrer. Déjà vous créez un compte hein, sur le Truckbook. Et ensuite, donc là vous voyez bien qu'un profil existe déjà pour mon compte Steam normal parce que je l'ai déjà lié. Mais tout simplement il faudra que vous cliquez sur Sign in Frau Steam. Voilà, désolé pour mon anglais, ça fait longtemps. Et donc vous liez votre compte Steam. Team, que vous suiviez aussi le tuto, là il y a une petite vidéo tuto très bien faite tout simplement pour dire au logiciel où se situe votre jeu ETS et ATS. Et une fois que tout sera lié, tout simplement, hop, moi je vais me connecter, comme ça je vais vous le montrer en même temps. Hop, voilà, vite fait. Donc une fois que tout sera fait, que vous aurez bien suivi le logiciel, enfin le tuto, vous allez arriver sur cette page. Donc cette page-là, donc en gros c'est la page qui dit un peu ce qui se passe dans l'entreprise. Donc là vous voyez j'ai déjà testé, hein, j'ai déjà fait deux livraisons terminées. Il y a 10 428 euros de recettes et 332 km de parcouru. Donc pour la recette là et distance ici. Donc ça c'est pour ATS, donc c'est ce qu'il y a là, et ici c'est ETS, voilà. Et donc le nombre de collègues dans l'entreprise, donc là vous voyez que je suis tout seul vu que je viens de le créer. Et après donc on peut voir la vue globale pour aujourd'hui. Donc par exemple si je regarde le registre, donc voilà, là vous voyez que dans le registre j'ai fait Bordeaux-La Rochelle, j'ai emmené des carottes, et le deuxième j'ai fait La Rochelle-La Rochelle pour emmener des emballages en plastique. Après on peut voir le détail. Du parcours, tout simplement. Voilà, chargement, carotte, 17 660 kilos. On voit le fournisseur, le client, la distance prévue 248 km, distance parcourue 250. Donc voilà, recette, les amendes, l'XP gagné, les dommages créés sur la cargaison, temps restant, temps utilisé, camion, un Volvo, FH, 32 litres par kilomètre, etc., etc. Donc c'est vraiment bien expliqué. Voilà, après on a le chat, on a les employés, donc voilà, vous voyez, hop, là, il n'y a rien du tout. Et après, donc moi, tout simplement, ce que je vous invite à faire, c'est de rejoindre l'entreprise. Donc, je ne l'ai pas encore fait, donc je vais tester ça en même temps avec vous. Et donc, ah bah voilà, tout simplement, dans liste des entreprises, FFA, vous cliquez ici. Sur la FFA, et mais moi je vais pas le faire parce que ça va pas marcher. Mais tout simplement, une fois que vous arrivez sur le compte de la FFA Official Team, il devrait y avoir un bouton pour pouvoir demander de pouvoir rentrer en fait. Voilà. Donc là, je sais pas comment ça va fonctionner pour vous, mais à mon avis, il devrait y avoir un bouton pour demander pour venir dans l'entreprise. Tout simplement. Et donc une fois que vous aurez téléchargé donc le logiciel Truxbooks, donc vous pouvez vous servir donc de la page internet ici pour voir un peu tout ce qui se passe dans l'entreprise. Et sinon vous aurez ce logiciel-ci, voilà, sur votre bureau, le client que vous ouvrez. Comme ça, voilà. Et donc là vous arrivez sur le journal. Donc là, là aujourd'hui il y a. Voilà, là le journal est vide pour l'instant vu que je viens d'arriver. Les entreprises, bon ça c'est un compte premium, faut payer comme d'habitude. Là vous pouvez régler vos paramètres pour le jeu ETS. Donc pour le Trucker MP, je vous invite à mettre dans paramètres multijoueur, chemin vers MP, vous mettez hop le launcher du Trucker MP, hein, vous le mettez ici,
tout simplement. Pareil pour American Truck Simulator. Et une fois tout ça fait, si vous avez un deuxième écran, hop, vous le switchez sur l'autre écran. Sinon, je vais le laisser là, comme ça, on va le voir pour après. Donc tout simplement, ce que nous allons faire, c'est que on va aller en jeu. Donc là, vous voyez, hop, il n'y a rien du tout hein, d'écrit ici. On va faire multijoueur. Le tracker MP va s'ouvrir. Voilà. On va faire Launch ETS2 en multi, bien sûr. Et on va aller tester tout ça. On va aller tester tout ça. On va se mettre sur le premier, on s'en fout de toute façon. On fait OK, continuer la partie. Hop. Donc voilà, après, bah sinon, mais en tout cas, merci de nous suivre encore une fois. Hein. On va essayer de vraiment de s'y atteler, de se vraiment se mettre à ressortir des vidéos comme dans le bon vieux temps. Et d'en sortir très régulièrement par semaine. Hein. Et donc voilà, donc déjà là c'est la première. Et il y en a déjà d'autres d'enregistrer sur d'autres jeux. Donc on va essayer de faire ça bien. Allez, on va rejoindre donc le serveur, le Europe 1. Et on va juste faire une petite course la plus rapide. Hein. On va essayer de se trouver une course très rapide à faire, comme ça, histoire de vous montrer. Donc, fait gagner de l'argent hein, pour votre entreprise, il me semble. Par contre, je ne sais pas comment ça fonctionne après dans le jeu. Non, ça doit pas être ça normalement. Dans ce qu'on va faire, normalement, ça doit fonctionner comme ça. Hop, on va déjà passer une vitesse, ce serait pas mal. Ce qu'on va faire, on va aller ici. Et on va tester de faire une course. Hop, alors. Y a pas un truc plus court? Nantes, allez, on va prendre Nantes. Ça en même temps, ça nous fait faire un peu de TS. Allez, on va aller choper la remorque. J'ai pas fait gaffe à ce que c'était. Où c'est qu'elle est? Merde, elle est derrière. Commence bien, toi. Allez, on va aller la chercher. Elle doit être par là. Voilà. Je sais pas si vous allez entendre mon volant, hein, puisqu'il fait un peu de bruit. Hein. Tac. Allez, on passe la première. Et on est parti. On va essayer de faire ça bien, de pas faire trop de fail. Hop là. Allez. Let's go baby! On en a pour 270 km, 3h59. Donc allez, c'est parti. Je vais pas mettre de musique puisque bon, avec YouTube, c'est toujours la même histoire. Donc je vais essayer de combler un peu les trous, il n'y a personne à droite. Hop là, d'après le minimap. Oh là, voilà, par contre, on est arrêté en plein milieu de la route. Hop. J'adore cette peinture. Bon. Donc après vous allez voir, hein, tout simplement vous avez rien à faire sur le truckbook. Tout simplement une fois que vous aurez rendu la mission, que vous aurez pris l'argent et gagné vos XP, bah, tout simplement vous allez avoir une ligne qui va s'afficher sur le client en vous disant les profits que vous avez réalisés. Et ça, on va le voir juste après. Hein. Je vous mettrai la page internet et la page du truck books sur le client. Voilà. Donc, allez, on va avancer un peu sur la FS17. Donc, bien sûr, là, vous savez bien que je suis en train de revisiter la Terre d'Auvergne 2017. Donc, ça avance petit à petit, hein, tranquillement.
Donc là, pour l'instant, il n'y a toujours pas de date de prévu, bien sûr, hein. Donc là, je sais pas du tout ce qu'il faut. Faut déjà avoir le temps, prendre le temps de le faire entièrement. Après, il y a déjà, bien sûr, les gars qui la testeront de leur côté pour me dire s'il n'y a pas de bug, etc. Pour que tout fonctionne le mieux possible. Et après, je la donnerai donc au créateur, hein, de la Terre d'Auvergne 2015. Et il me donnera donc bien sûr son autorisation, ou non, bien sûr, ou non, si je peux vous la partager, tout simplement. Donc après tout ça, bien sûr, on refera des lives pour voir un peu l'avancée de la map. Allez, on va direction Nantes. Hop là, prendre le rond-point. Personne à gauche. On suit un autre collègue. Allez. Bon, ça devrait aller assez vite quand même. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, si ça vous plaît, tout simplement, si vous avez des jeux auxquels vous voudriez que l'on fasse. Moi j'en ai vu quelques-uns, des petites nouveautés aussi qui pourraient être très sympathiques, en jeu de simulation bien sûr. Après, moi je peux vous proposer d'autres jeux du style des FPS, des jeux de rôle, des MMO aussi, ça peut être sympa, et pourquoi pas jouer avec vous directement, jouer avec des abonnés. Et donc tout ça, on verra, on pourra aussi faire une vidéo sur ETS, hein, bien sûr. Et puis à voir aussi avec les gars de la team s'ils seraient dispo pour tout ça. Donc je vois qu'on approche près d'une aire de péage. Ça va encore nous coûter de l'argent tout ça. Hop là, pas aller trop vite quand même. Donc moi j'ai juste. J'ai pas les nouveaux DLC, hein, de l'Italie, tout ça là pour l'instant. Je joue avec Vive la France et Scandinavie. Ça sert à rien pour l'instant aussi d'aller en Italie, hein. Allez. On paye. Après, par contre, je sais pas comment ça fonctionne par rapport au Truxbox. Si vous pouvez me le dire en commentaire, quand les chauffeurs d'une entreprise payent le péage, par exemple, est-ce que ils payent ça de leur poche ou est-ce que c'est déduit de l'entreprise? Comment cela fonctionne vraiment? Étant donné que là, je l'ai créé, je suis tout seul pour l'instant, j'ai pas encore testé. Et s'il y en a qui le savent, ce serait intéressant de le savoir, de le faire partager. Merci à vous. Hop, on peut aller trop vite là, parce que moi quand je parle, je fais pas gaffe à ce que je fais derrière. On est pas mal, on est pas mal. Donc allez, normalement les touches, ça doit être ça, voilà. On transporte des rouleaux de film en plastique, 17 tonnes. Ça va, on va à Nantes. Bon, ça devrait le faire. Et allez. Ça fait plaisir en tout cas de revenir sur ETS, ça fait très longtemps. Je crois que ça faisait quasiment un an que j'y avais pas joué. Et vu que, ben voilà, vous nous avez connus sur les jeux de simulation, on va y revenir petit à petit. Ce sera très sympathique. Encore un péage, eh ben. Donc, allez. On est à combien de kilomètres? 173 bornes. On va prendre le télépéage. Voilà. 16 euros. Toujours aussi cher, hein. Ça se voit qu'on a en France en tout cas. Impeccable. Allez. Par contre, j'ai pas fait gaffe en quelle résolution j'étais. Je réglerai tout ça pour la prochaine fois.
collègue en face. J'ai pas mis les lampions non plus. Ah. Bon, de toute façon, les gyrophares pour ça, ça sert absolument à rien. Non, faut pas tourner, de toute façon, on peut pas. Impeccable. Là, maintenant, on va tourner. On dirait que c'est moi qui connais bien Nantes, ça a l'air d'être la même sortie en fait. Ça y ressemble beaucoup en tout cas. Même que normalement après il doit y avoir, en vrai il doit y avoir un radar plus loin là. Et là c'est toujours bouché aussi. Donc après est-ce qu'ils ont fait ça comme dans la vraie vie? Je sais pas du tout. On verra. Allez, il nous reste 134 bornes à faire. Il fait beau, il neige en même temps, ça c'est magnifique. Oui, bien sûr, parce que j'ai le Winter Mode qui est en route, mais ça je vais le supprimer la prochaine fois parce que c'est chiant. C'est vraiment chiant. Par contre, je sais pas si je suis obligé de redémarrer le jeu. Je sais plus du tout. Je vais vous montrer comment on fait après. Hop là, allez, Nantes Atlantique. On prend à gauche. Impeccable, tout se passe bien pour le moment. Pour ceux qui veulent savoir aussi, je suis avec un Trustmaster RGT Force Clutch apparemment, d'après ce que j'ai vu, le clutch, donc en volant hein, bien sûr. RGT Force Clutch Feedback de chez Trustmaster. Un bon petit volant, impeccable, franchement j'ai rien à dire. Hein. km, ça va, on se rapproche, on fait un peu de national. C'est vrai que c'est chiant la neige là, oh la vache. Hop. S'il y a un quoi pour se garer, je vais essayer de vous le montrer ou alors à la fin de la livraison pour enlever le Winter Mode. Allez, à gauche. Je sais qu'il n'y a personne à gauche, hein, parce qu'en multi, bien sûr. Il n'y a pas de voiture, enfin les voitures contrôlées par l'IA. Il n'y a que des camions et je vois s'il y a quelqu'un qui arrive hein, sur la minimap en bas à droite. Après d'ailleurs je peux vous montrer aussi comment faire pour changer la couleur des joueurs justement sur la minimap. Les petits points, les petits ronds là qu'on voit. Hein. Normalement je crois que de base ils sont bleus pour les joueurs et d'une autre couleur pour les amis, je crois, vert je crois, un truc comme ça. Donc je vais vous montrer que l'on peut changer choisir la couleur de ces petits ronds dans la minimap. Pour ceux qui ne le savent pas hein, encore bien sûr. Ah bah, ce qu'on va faire. Oh, non, non, on va rouler, j'ai pas le temps de freiner. Allez, on prend à gauche. Impeccable. Dommage qu'ils ont coupé toutes les petites routes. Ça aurait pu être marrant de mettre plein de routes de campagne. Donc là, je suis à 34 000 euros. Je sais pas du tout. Je sais pas comment ça marche en fait. Si les gens. Avec qui on joue dans l'entreprise, s'ils ramènent de l'argent aussi pour nous, enfin pour les patrons, je sais pas du tout comment ça marche. Ce sera à voir. Donc, bah, en tout cas, je vous invite à rejoindre l'entreprise de la FFA, hein. Les routiers de la FFA.
Allez, on est bientôt arrivé. 50 bornes à faire. Ouais, ça va, je vois, je crois avoir vu le drapeau d'arrivée. Dommage qu'il n'y ait pas les petites voitures, les véhicules sur multi, ça aurait été mieux, beaucoup mieux. Encore le grand virage. Et on n'est pas loin d'arriver. Donc c'est pareil, j'ai changé de logiciel pour enregistrer les vidéos. Là je suis sur OBS Studio et ben c'est normalement le logiciel que je me sers pour faire les lives. Donc j'espère tout simplement que la vidéo sera pas trop dégueulasse. Je vous le dis de suite à la fin, j'ai même pas regardé si c'était bien en fait. J'ai juste réglé, donc on verra si mes réglages sont bien ou pas. Et après ben, ce sera à vous de me dire si ça vous convient ou si je prends un autre logiciel, hein. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Tac, là il y a le grand virage, un petit virage en S et on est arrivé. Ouais, je vois l'arrivée, c'est bon. Voilà, je frôle un peu trop les barres, moi. Les barrières. Ouais, c'est ça, Sebs, le nom de l'entreprise où on doit livrer, donc elle est là à droite. On va peut-être pas arriver trop vite. On est à Valais, ok. Allez, on prend à droite. Nickel. Subs, ok, à gauche maintenant. Ah. On voit même un mec qui joue au basket. Il lance pas le ballon, faut qu'on. Allez, hop! Bon, je vous avoue, je vais peut-être pas m'embêter à faire un gros créneau. Oh, quoique. Si vous voulez voir du fail au pire. Allez. Alors, c'est là. On va essayer de faire une belle marche arrière, ça pourrait être pas mal. Allez. Ça se voit que je suis en vidéo parce que normalement je fais ça à l'arrache. non, pas par là. Voilà. Je crois que c'est pas mal, on va dire. Hop là. Oh, il y a la musique qui s'est déclenchée maintenant. Faut que je l'arrête, attendez deux petites secondes. Hop là. Voilà. Donc, si je reviens. Donc voilà, nous avons fini donc la mission, ce que nous allons faire, c'est que nous allons quitter le jeu. Même pas, enfin, on va faire un retour Windows, bien sûr. Et donc là, voilà, tout simplement, on peut voir que, hop là, sur le truckbook,
Donc statut donc envoyé, je teste 2 depuis La Rochelle à Nantes, j'ai fait 271 km et un profit de 11 457 euros. Donc voilà, donc ça veut dire que c'est good, ça a été fait. Et si on va donc sur le site, hop là, si on va sur le site donc dans l'accueil, là on voit que en livraison terminée, donc tout à l'heure on était à 2, maintenant on est à 3, recettes on était à 10 000 et quelques, là on est à 21 000. Donc voilà, en tout, la distance parcourue en tout, hein, de tous les livreurs, c'est 603 km. Et si on regarde le registre, donc voilà, je suis bien parti de La Rochelle, je suis arrivé à Nantes avec mes rouleaux de film plastique. Donc là, on voit le nombre d'XP gagnés, etc. Hop, rien en arrière, voilà. Coût du carburant, donc j'ai pas fait le plein d'amende. Donc j'ai pas eu d'amende. Les XP gagnés, distance parcourue. Et donc voilà, donc c'est vraiment un truc, quelque chose qui est assez bien expliqué. Donc ça c'est pour le mois de décembre. Après vous avez chaque mois qui s'affiche au fur et à mesure de l'avancement de tout ça. Donc voilà les amis, moi je vous invite tout simplement à rejoindre l'entreprise de la FFA bien sûr. Et donc ah oui c'est vrai, je voulais vous montrer ça. Donc vous appuyez sur la touche Tab. Au-dessus de majuscule, sur la touche Tab, après vous appuyez sur Shift de droite, non, attends, là, attendez, parce que faut que je me rappelle aussi moi. Alt, non. Oh, bah, voilà que je sais plus maintenant. Je l'ai fait hier. Ah non, voilà, c'est un clic droit. Donc, vous faites Tab, clic droit, vous avez la souris qui s'affiche, vous faites la petite roue crantée ici en bas à droite. Et vous allez donc Player on the World Map. Donc en vert, donc le premier, la première couleur, c'est la couleur des joueurs de tous les joueurs en fait. Et vous allez voir un joueur que vous ne connaissez pas, vous pouvez choisir la couleur. Et ici, Friends Color, donc c'est vos amis que vous avez sur Steam. Donc voilà, moi je l'ai mis en rouge. Peut-être le mettre en jaune parce que les routes sont sur le GPS sont en rouge. Et donc voilà. Voilà, c'est comme ça que vous pouvez faire, et après vous allez dans mode et vous décochez Winter Mode pour enlever le Winter Mode tout simplement, et vous le mettez que si vous voulez avoir la neige. Donc moi je vais l'enlever, je vais faire appliquer, et après il faut redémarrer le jeu, et après donc vous aurez plus la neige. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous a, si, ouais, si ça vous a plu, ce que vous voudriez avoir par la suite, hein, tout simplement, comme vidéo. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et ciao, bye bye les amis, merci à vous.